Bienvenue sur la chaîne C'est Squadra, on se retrouve pour un essai complet aujourd'hui, la Impante Ruiner ZZ8, une grosse cylindrée. Alors j'ai failli l'oublier celle-là parce qu'elle est sortie déjà il y a un petit moment avec le DLC Entreprise Criminelle. C'est une voiture qui m'a pas particulièrement intéressé, du coup voilà, j'ai failli la zapper, je l'avais complètement oublié. Donc la Ruiner ZZ8. Dans GTA, on avait déjà depuis longtemps, depuis le début, depuis la sortie de GTA V, on avait la Ruiner, la Impante Ruiner, vous le savez, inspirée de la Pontiac Firebird de 3e génération. Là, avec cette nouvelle Ruiner ZZ8, on est inspiré des générations plus récentes, 80, fin d'année 90, début année 2000. On est sur une voiture qui est pas mal modélisé, je trouve que l'arrière est un peu étroit, ça fait bizarre par rapport à l'avant. L'arrière est pas trop joli, on a des feux arrière qui sont vraiment bien inspirés du modèle IRL. L'avant pareil, avec ces deux grosses entrées d'air sur le capot, je crois que c'était une option sur les Pontiac, elles n'avaient pas tout ça. Je sais pas, je saurais pas vous dire si c'était les versions les plus sportives ou si c'était, mais je crois que c'était une option, un pack un peu sportif à prendre sur les Pontiac Firebird, pour avoir ce capot avec ces deux grosses entrées d'air. Alors ça, c'est bien reproduit, on est vraiment bien inspiré là-dessus. Sur le profil, on a une voiture qui est assez jolie aussi. D'origine, ils nous ont mis des jantes qui sont un recyclage. C'est les jantes du Obey E-Wagen qui vont pas du tout sur cette voiture, je trouve. C'est dommage d'avoir mis ces jantes-là d'origine, puisque c'était vraiment des jantes qui étaient inspirées de Audi et du modèle sur l'Audi, elles allaient très bien. Mais là, je trouve que c'est pas top. Sinon, on a une voiture qui a un petit souci de modélisation sur le châssis. Quand vous regardez dessous, vous avez des petites pointes qui dépassent au niveau du châssis. Le moteur à l'avant, c'est une voiture, attention, je précise avant de parler du moteur, c'est une voiture qui se déforme énormément, qui se déforme facilement comme les voitures anciennes, on va dire les voitures du début de GTA. Donc faites très attention, pensez à mettre à fond le blindage. Donc voilà, du coup quand elle se déforme, vous avez un petit bug, c'est le moteur avant qui va dépasser de la carrosserie, bon c'est rien de grave. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup de custom, on a des motifs que personnellement je trouve pas très jolis, voilà, il n'y a vraiment rien de particulier, c'est pas une voiture qui est modifiable chez Imani pour pouvoir lui apporter des améliorations de blindage, tout ça. Elle n'a pas l'amélioration HSW, rien de particulier, une voiture banale on va dire. Mais une nouvelle grosse cylindrée, et ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles grosses cylindrées un peu à essayer sur le circuit et à faire un essai complet avec. Donc je vous laisse découvrir l'essai complet de cette Impante Ruiner ZZ8. On se retrouve à la fin comme d'hab pour parler des performances. A tout à l'heure, bonne vidéo.
my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
Le tableau top 10 des grosses cylindrées. On se retrouve donc avec une belle entrée hein, pour cette Impont Ruiner ZZ8. On se fait une petite quatrième place. C'est pas mal, c'est joli. On est juste derrière la Dominator ASP qui était quand même une voiture très performante. On se classe en 1-1-960 devant le 2 classe Yosemite. On a une voiture en VMAX qui est pas top, vous voyez, c'est pas la VMAX qui lui a permis de faire ce temps sur le circuit. Ce qui lui a permis de faire ce temps sur le circuit, c'est qu'elle a une bonne maniabilité, elle se place très bien pour une grosse cylindrée. Il y a un peu de zone morte dans la direction, on va dire que ça flotte un peu. Mais bon, c'est classique des grosses cylindrées. Par rapport aux autres, je trouve qu'elle a un bon comportement. Son défaut, ça va être sa VMAX qui est assez faible. Mais pas non plus, voilà, c'est pas catastrophique non plus. Elle a une bonne accélération. On a vraiment une voiture qui a un bon comportement, très bonne tenue de route, ça décroche pas trop. On a une voiture qui, dans l'ensemble, a un comportement assez sain pour une grosse cylindrée. Voilà, rien d'extraordinaire, rien de nul non plus, mais on a une voiture voilà, qui a un bon comportement et qui se fait quand même un bon top 10, puisque 4e, c'est une belle place. On sort du top 10 d'ailleurs là à Greenwood, qui se retrouve 11e maintenant. Et la Dominator GTX qui se retrouve la dernière du top 10. La Buffalo STX toujours première. Et la Viguero ZX hein, que j'ai essayé récemment qui est vraiment juste derrière et qui la talonne. Donc très bonne entrée au top 10 de cette Impont Ruiner ZZ8. Après son look, son design va pas plaire à beaucoup de monde je pense. C'est une voiture qui est passée un peu inaperçue. Mais bon, ça reste quand même un bon atout pour les courses. Elle peut être efficace sur certains circuits. Voilà, merci d'avoir regardé cet essai complet et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus, ciao ciao.